Allez, allez, c'est tout faux ça. Allez, oh regarde, oh. Ici c'est pas un maquis. Bien sûr, c'est du football. C'est tout ce que tu fais toute la journée. Reste ici, tu fais rien et tu aides les milliardaires. Fais plus d'argent. Or, à part de la maison que j'ai faite pour toi, je suis en train de prendre soin de toi et tolérer ton mauvais comportement. Oh chérie, tu ne crois vraiment pas que tu prends soin de moi, tu sais? Oh, oh, tu fais quoi là? Je ne veux pas avoir un mot de tête. Allez, allez. Mais on y va là. Tire. Hein? Attends, attends, attends. Qu'est-ce que tu fais? Ça va pas arriver ce soir. Ok. Mais tu peux me laisser, s'il te plaît. Tu dois te doucher. Laisse-moi. C'est quoi ton problème, Mabel? Tu pues! C'est ce qui ne va pas avec moi. Akin, ça va pas prendre 4 minutes. Mais moi, je sais pas. Parce que toi, tu restes peut-être 50 minutes dans la douche. Oh, lève-toi. Juste, lève-toi et va te laver. Akin, va te doucher. Mais laisse-moi. Lève-toi. Akin, s'il te plaît. Tu es sérieux? Quel enfant! Je ne veux pas te laver. Tu es encore là ou tu es en train d'enfanter là-bas? Va utiliser notre salle de bain. Oh, mon Dieu. T'es sérieuse? Tu fais quoi là? On est déjà tard pour l'église et tu étais dans la douche avant moi? Comme tu peux le voir, je suis en train de faire mon maquillage. Et une femme a besoin de temps pour le bien faire. Alors, je déteste d'être tard et le retard n'est pas dans mon habitude. Tant pis. Va-t'en. Je dois continuer. Tu me distrais. C'est incroyable. C'est incroyable. Il faut m'aider, mon Dieu. Il faut m'aider. Merde. Quoi? J'ai oublié mon chargeur. Tiens le tien. Quoi? C'est bon, je vais aller chercher. Tu as toute la nuit pour charger ton portable.
Allô, 5 secondes et je reviens. Ma belle, regarde, si tu rentrais dans la maison, je vais te laisser ici. Quoi? Mais on va à l'église. Tu besoin pas ton portable. On est tard déjà. Oh, à Dieu ne plaise que ça n'arrive. Parce qu'on sait comment tu aimes pratiquer ce qu'on enseigne. Du reste, ça c'était du sacralisme. Je m'en vais. Bon, je prends ma voiture. Oh, je vois ce que tu veux faire. Tu vas à l'église aujourd'hui, tu petite sorcière. Je t'attends. Va-t'en si tu veux. J'espère que t'as rien oublié. Allons-y. Arrête-toi au prochain carrefour. Pourquoi? Je veux acheter du déjeuner. Pourquoi tu veux pas cuisiner? Aujourd'hui c'est dimanche. Les femmes préparent dans leur maison. Écoute, je peux commencer à parler des responsabilités des hommes, mais je n'ai pas de temps. Je veux juste manger. Juste arrête, hein? On va manger dehors aujourd'hui. Non, je veux pas manger dehors, pas encore. Hein? Pas de problème. Tu vas faire la cuisine pour toi-même. Moi, je mange dehors. Arrête-moi au restaurant. D'accord, on verra. Aki, on vient de dépasser le carrefour. Oh, vraiment? Arrête la voiture. Aki, arrête cette voiture. On fait quoi? Arrête cette voiture. Tu fais quoi? Tu es malade ou quoi? Soit tu arrêtes cette voiture ou je saute dehors. C'est à toi de décider. Arrête. Ferme la porte. Je vais sauter. D'accord, je vais te prendre. Tant mieux. Folle. N'importe quoi. Non, je ne suis pas en train de t'éviter. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu parles à ton mariage étrange à cette femme qui vole les hommes? Oh, ta gueule. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'elle ne t'a pas volé de moi? Comment tu veux que je l'appelle? Chérie, tu me manques. Viens me voir. Je ne peux pas venir maintenant. J'ai beaucoup de choses à faire. Et c'est beaucoup de travail. Mais c'est tout ce que tu me dis depuis un moment. Mais Debs, on était ensemble 2 semaines avant. 2 semaines? Ça fait 14 jours sans toi. Et alors? On va parler après. Ah, pourquoi? Tu vas où? Est-ce qu'elle est là? À qui? Réponds-moi. À tout à l'heure. Thank you.
Ah, tu es rentré? Comment était la journée? Merveilleux. On mange quoi ce soir? Est-ce que tu as préparé? Est-ce que j'ai préparé du dîner? Tu as faim? Évidemment. Et la faim? Peut-être tu peux aller chez tes copines avec qui tu passes beaucoup de temps au téléphone pour te faire du dîner ou bien des frites. Non. D'accord. Mais belle, tu penses que c'est marrant? Après une longue journée de travail, j'espère s'il te plaît, que... S'il te plaît. Je n'ai pas l'énergie pour ça ce soir. C'est fatigant. Non. C'est moi qui est fatigué parce que tu es en train de dire que tu es ma femme, mais tu connais rien de mariage. Arrête avec ce mensonge, Akin. C'est déjà vieux. Essaie quelque chose d'autre. Essaie. Pourquoi tu es mariée quand tu sais que tu n'es pas prêt pour le mariage? Chérie, tu sais comment on est arrivé là? Du reste, tu aurais dit non. Parce que tu ne sais rien sur le fait d'être un mari. Et avant que je n'oublie, la prochaine fois que tu veux recevoir des cadeaux de tes copines, il faut utiliser ton adresse de bureau. Tes cadeaux sont là, sur la table. Finalement, il me rappelle. Après quoi? 70 appels en absence. Je dois trinquer sur ça. Tu crois pas? Pourquoi tu m'as envoyé un cadeau à ma maison? Oh, tu les as reçus. C'est ça le merci que tu me dois? Non, arrête. C'est pas une blague. Tu prouvais mes messagers. Ah bon? Comme si tu réponds à mes messages? Mais tu sais, je vais répondre après. J'ai beaucoup de travail. Non, s'il te plaît, arrête. C'est pas à propos d'elle. Et de quoi s'agit-il? Je t'appelle depuis et tu ne réponds pas. C'est toujours une excuse ou une autre. Je suis curieuse. Est-ce que tu ne travaillais pas avant de te marier? Oui, mais j'ai trop de choses à faire. Essayez de me comprendre. Akin, c'est pas ce que tu m'as promis. Tu m'as promis d'être là toujours pour moi. Hein? Tu m'aimes plus. Je suis là. Tout le temps. Je te rappelle, je veux faire quelque chose. Regarde comme tu manges comme quelqu'un qui vient de revenir du tôle. C'est quoi la différence entre mon mariage et le prison? Ça fait longtemps que je mangeais une nourriture bien préparée. Alors laisse-moi que je mange en paix. Je suis sûre que c'est pas aussi mal que tu le dis. Oh, c'est très mal. Ça, c'est juste un peu. Le mariage doit être enjoyé et non enduré. Regarde ce que tu fais à Porankouchino. Comment est-ce que tu traites ta femme?
Écoute, si je fais une chose pour ton oncle, il a déjà fait 3 choses pour moi. C'est comme tu fais ton lit que tu vas te coucher. Ça, c'est la femme supporte la femme que tu es en train de faire maintenant. Je ne peux pas gagner avec toi. Tu vois le problème. Tu veux toujours gagner. Tu ne peux pas toujours gagner. Le mariage, c'est 50%, 50%. Mais moi, si elle continuait comme ça, je vais la divorcer. C'est ça. Tes parents vont te tuer. Surtout ta mère. Et ça ne sera pas bien pour la famille. Je m'en fous. Est-ce que c'est celle que je crois? Quoi? Quand va-t-elle arrêter de t'appeler? Elle devrait avoir le sens de rester éloignée. Tu es mariée maintenant. Et c'est pas ça la première question dans ma tête. Quelle est ta question? Pourquoi son numéro est enregistré comme The Love? Tu es mariée maintenant. Merci de me rappeler. Maintenant je vois. Toi, tu es ce gars. Quoi? Tu ne veux pas être un mari, mais tu veux une femme. Tu ne veux pas être un leader, mais tu veux des suivants. Tu ne veux pas planter, mais tu veux des récoltes. J'ai pas compris. Mon point 1, tu as une très belle femme. Elle est vraiment belle. Mais tu te conduis n'importe comment et tu veux des bons résultats. Antibi, je vois que tu veux pas que j'enjoye cette nourriture. Bon, d'accord. Salut toi, tu es de retour. J'ai commandé à manger. Tu en veux? Non, merci. J'ai mangé une bonne nourriture à chez Antibi. Elle m'a donné de plus. Parce que ça fait longtemps que j'ai mangé une bonne nourriture. Ce que Félix a dit avant le mariage? Il a dit quoi? Il a dit faut pas le faire, frère. Cours. Cours pour ta vie. Félix est malade. Mais le mariage est quelque chose de magnifique. Il fallait attendre Félix. Mais frère, c'est pas comme si tu es marié. Mais tu sais, chaque part sont comme la même. Pour moi, quelques femmes vont changer toute la place. Ma fiancée est en train de faire ça pour ma place. C'est bizarre, mais tu es chanceux et ta femme ne s'inquiète. Je suis chanceux? Mais vraiment? Vraiment? Tu penses que je suis chanceux? Oui. Il va quoi dire? Mais frère, tu es marié à une fille du billionnaire. La seule fille. Allez. Ah! Mon gars, tu bois trop. Mon gars. C'est qui ça? C'est qui ça? Il joue quoi là? Mais je suis fatigué du gars là. Frère, il est un joueur. Regarde, regarde comment il fait. Il perd là-bas trop. Attends, attends. Mais Man City va gagner le match. Mais non, mais non, mais je pense pas. Je pense pas. Allez. Allez, allez. Go! Très bien. Allô? Allô? Salut. Allô? Salut.
Allez. C'est ma boîte à jus, ça? Ma smoothie? Ouais, 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 je vais remplacer. Non, mais jouez derrière. À qui? Je peux te voir? Mmh. Oh, la femme est belle. Ah, mais 7 joueurs. Mais ils sont en train de jouer quoi, là? Mais ces joueurs sont fatigués. Je peux pas déposer l'argent pour eux. Comment? Établis quelques barrières. Tu es marié. Pourquoi tes amis viennent ici? Ils ouvrent mes choses, ils prennent ce qu'ils veulent. Mais chérie, c'est pas grave. Je vais remplacer. C'est pas une question de le remplacer. C'est de ne pas le prendre. La prochaine fois que tes amis viennent ici, qu'ils achètent leur boisson. Et ils partent quand? Oh, je veux pas répondre à sa question. Quand part-il? Quand le match est fini. Donc ils n'ont pas de maison pour regarder le match, n'est-ce pas? Ça, c'est une tradition. Il vient toujours ici pour la finale de la Ligue des Champions. On ne changera pas ça à cause de notre mariage. Qu'est-ce qui se passe ici? Allô, bonjour, notre femme. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Aucun de vous n'est marié. Steven a une fiancée. Cela ne veut absolument rien dire. Chérie, pourquoi beaucoup de questions? Je te jure, on ne veut pas vous déranger. Mais c'est ce que vous faites! Vous avez débarqué sur ma vie, mon intimité, mon espace. Regardez mon salon. Désolé, on prend dans soin. Bon, maintenant, et quand vous finissez, vous partez. Hey! Les gars, je suis désolé. Est-ce que j'ai bégayé? Levez-vous, maintenant! Ça ne va pas se nettoyer! À qui? Chérie! Maintenant! Oh, quelle nuit! Ça, c'est... Oh là là! Oh. Désolé, les gars, désolé, les gars. Frère! Mais ça a été fou, hein? Mais vraiment, je te jure, ça fait longtemps. Tiens. Merci. C'est pas propre, ça. C'est chez moi aussi. J'ai le droit d'avoir mes amis chez moi. Elle ne peut pas venir et nous contrôler comme ça. Elle pensait elle est qui? Mes amis étaient tellement honteux. C'est vrai, c'est ta maison. Mais tu dois comprendre que c'est sa maison aussi. Tu dois respecter son intimité. Tu ne peux pas te conduire comme quelqu'un qui n'est pas marié avec ta maison comme ça. Si tu veux inviter tes amis, il faut lui dire. C'est son droit de savoir et c'est la meilleure chose à faire. Quand même, elle n'a pas le droit de la chasser. C'est pas bon.
Mabel est même une bonne femme. Si c'était moi, je les aurais chassés immédiatement de ma maison. Mais pourquoi, tante B? D'accord, d'accord, j'ai compris, mais c'est pas du blague. Elle ne me respecte pas du tout. Hey, regarde ce qu'il dit. Le respect est réciproque. Si tu veux que ta femme te respecte et t'honore, tu dois le gagner. Ça ne se vend pas au marché. Je sais que tu vas toujours m'accuser. Je suis de ta côté et je veux que ton mariage fonctionne. Je te connais même bien plus que ta mère. Tu as passé plus de ta vie avec moi qu'avec elle quand elle a participé activement dans la police. Aki, je te connais très bien. Tu es quelqu'un de bien. Et c'est cette partie que je veux que ta femme voie bien. Je sais que vous vous aimez tous les deux. Mais l'orgueil, c'est le problème ici. J'ai essayé. Du reste, ça c'est la dernière fois que je vais faire la cuisine pour toi. Ne viens plus ici chercher de la nourriture à manger. Va faire la paix avec ta femme, qu'elle fasse la cuisine pour toi. Si elle ne sait pas faire la cuisine, cherche quelqu'un pour la enseigner. C'est simple. Tante B, peut-être tu vas l'apprendre. Oui, je peux. Amène-la ici, je peux. Allez, bébé, je suis là, non? Ben, tu m'as fait tout attendre. Je suis désolé, j'étais occupé. Arrête de mentir. Tu travaillais avant de te marier à cette chose. Calme-toi. Je comprends que tu es en colère, mais il faut te calmer. Oh, regarde-le! Comme il vient à son secours. Mais tu n'as rien fait pour me soutenir quand t'as forcé à te marier à elle. Arrête, bébé, laisse ça tomber. Je suis là maintenant. Allez, bébé. Regarde comment tu fais comme un mannequin. Oh, mon corps. Viens, papa. Bébé. Tu es si ennuyeux. Je sais, exactement. Tu vas pas décrocher? Non. Je suis très sérieux. Je suis là pour toi. J'aime. Ma belle,
C'est du blague. Regarde ça. Elle revient. Salut. Tu étais où dans la nuit passée? Sortie. Je faisais la même chose que tu fais. Je m'amusais avec mes amis. Toute la nuit? Jusqu'à le matin? Et alors? Ma belle, t'es fou ou quoi? Toute la nuit, tu es mariée. Une femme mariée ne peut pas dormir dehors sans informer son mari. Tu n'es qu'un sale hypocrite. Et je n'ai pas l'énergie pour te corréler aujourd'hui. Si j'avais de l'énergie, je t'aurais demandé la même question. Du café? Non? Bon, d'accord. Ne te dis pas que je t'ai rien offert. On n'est pas fini ici. On a fini. Papa, c'est fatigant. Je sais pas comment on va continuer comme ça. Non, ma chère, le mariage est comme un nid de l'oiseau. Tu dois être patiente avec. Mon Dieu. Papa, je n'ai plus de patience. Honnêtement, je sais même pas si Akin veut toujours de ce mariage. On se querelle toujours. Non, ma chère, je serai à Lagos dans 2 jours. Je viendrai chez toi. Tu m'as manqué, papa. Aussi, ma chère, je veux te voir. D'accord, papa. Au revoir, à bientôt. Soyez le bienvenu chez nous. Oh, yeah, merci, Akin. Tu veux quoi? On a des jus, des vins. Malheureusement, il n'y a pas de nourriture parce que ma belle femme, elle n'a rien préparé. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe où, ça? Ton mariage. Oh, il n'y a rien. On fait de nos mieux. Oh, tais-toi. Ne mens pas comme ça. Papa sait tout ce que tu fais et que tu ne sais rien d'être un bon mari. Je sais rien d'être un mari. Waouh. De la bouche de la meilleure femme. Oh oui, ma belle. Calme-toi. Papa, je suis calme. Je suis calme. Je veux simplement que vous compreniez ma situation. C'est tout. Ta situation? Elle ne cuisine pas. Attends. Elle ne sait pas préparer. Elle ne sait pas la différence entre le squelette et ça, le carton. Ça, c'est parce que je ne suis pas ton chef. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Est-ce que tu me prends pour une femme qui va cuisiner et nettoyer alors que tu chasses d'autres femmes? Oh mon Dieu. Oh ma belle, faut te calmer. Papa, je suis calme. Parle-lui. Il ne sait rien sur la responsabilité. Peut-être tu vas lui enseigner comment être un bon mari. Oh mon Dieu. Faut arrêter ça. Qu'est-ce qui vous prend? Ça, c'est très honteux de vous regarder les deux en querelle. Maintenant, écoutez. Vos deux, vous pouvez réconcilier. Vous n'avez besoin pas de se quereller. Mais c'est une petite affaire. Vous n'avez pas besoin de se quereller. Je ne crois pas quelqu'un approcher son père. Mais ça, c'est un problème entre deux grandes personnes. Et ça vient de quelqu'un qui vient ici, qui s'assied dans ce canapé pour se plaindre de sa femme. Arrête, tante Pi. Ça, c'est différent. Mais tante B, tu ne nous as pas réconciliés. Akin, ne sois pas égoïste, s'il te plaît. Tu peux faire qu'elle parle à qui? C'est son papa. Tu as de la chance qu'elle n'a pas parlé à ta mère. Ou bien, son père appelle ta mère.
J'ai pas compris. Pourquoi tout le monde est contre moi? Je suis la victime ici. J'ai pas besoin de visiter un restaurant ou aller ici là-bas avant de manger un bon repas. Ma femme, elle n'est pas respectueuse. Je comprends qu'elle est un enfant gâté. Elle doit savoir que je suis son mari. Je suis la tête de la maison. Mais non! Elle fait comme elle la victime, mais c'est moi qui est la victime. Tu dois te calmer. Hein? Mais non, je suis toujours à la faute. Mais tu ne te conduis pas quelqu'un de bien. Écoute, quand je me suis mariée à mon mari, je ne savais rien. Mais il ne s'est jamais moqué de moi. Il m'a aidée. Il m'a appris beaucoup de choses. Mais je ne peux pas l'apprendre à être une bonne femme. Je ne suis pas ses parents. Mais au moins, tu peux essayer d'être un bon mari. Je vous dis, sois le leader de la maison. Que je devine, c'est Debbie, non? Imagine que c'était l'inverse. Imagine que l'un des ex de Mabel l'appelle et le texte comme ça. Debbie, mets donc la paix. Sérieusement, Akin, tu vas rester là-bas et tu ne vas pas le dénier. C'est quoi le point? Je ne peux pas gagner avec toi. Tante B, je t'aime, mais je vais partir. Merci pour tous. J'arrive. Salut mon amour. Salut. Tu dis que tu es malade? Oui, j'étais malade. Mais tu es pas comme tu es malade. Mais je me sens mieux tant que tu es là. Tu sais que tu dois pas me mentir avant que je vienne. Ça, c'est la manipulation. Mais tu ne décrochais pas. J'ai dû mentir. Mon amour. Je suis désolée. Tu m'as manqué. Parfois, c'est comme si tu m'as abandonné. Viens ici. Hey, tu m'as pas manqué? Je vais partir. Chérie, je veux que tu restes. Ne pars pas. C'est 4 heures déjà. Je vais partir. Juste reste. Reste jusqu'à l'aube. Je suis désolée. Je peux pas. Je comprends pas. Pourquoi tu as peur d'elle? Arrête. Je venais ici. J'ai resté avec toi. Maintenant, je vais partir. Il va rester comme ça pour l'instant. Akin. C'est pas ça que tu m'as promis. Tu m'as promis à jamais. Je fais ce que je peux. Akin, je ne veux pas être l'autre femme. Il n'y a pas question que je sois l'autre femme. Bébé, je veux te marier. Mais mes parents, ils ont dit non. Alors, c'est ça ou rien? Thank you.
Ma belle, je suis désolé. J'avais beaucoup de travail à faire au bureau. Je suis désolé. Tu es une femme. Tu dois être naturelle. Papa, Aki n'est pas un enfant. Il me trompe avec Yokin. Comment tu sais? Tu n'as pas mais de preuves. Mais je sais bien. Les heures tardives, les appels secrets. Comment tu vas expliquer pourquoi il revient toujours tard dans la nuit? Mais est-ce que tu as essayé de parler avec lui? On ne se communique pas. On ne se parle pas. Il me rend folle. Regarde, ma chère, on peut essayer une autre approche pour réaliser quelque chose de neuf. Ouais, je sais que tu es fière de faire des choses parfois. Tu es mon enfant. Essaye d'être une bonne femme. Tu sais, prépare pour lui, faut le faire rigoler et faut le faire content. Regarde, chérie, ta mère, c'est une grande politicienne. Elle est très, très occupée, tu sais ça. Mais elle ne partage pas sa responsabilité d'être une bonne femme mariée. Notre maison était la plus importante. Et si j'essaye et ça ne marche pas? Chérie, faut essayer. Mais à quoi bon? Faut essayer. Essaye encore. Bien sûr. Ça ira. Salut chérie. Écoutez-moi bien, Impicacile. Akin est un homme marié. Il a une femme et il essaie
Qui est-ce? Je m'en fous de votre histoire. Maybell, c'est toi? Éloigne-toi de lui. Ou bien je te détruis. J'ai tout ce qu'il faut pour te faire de ta vie un enfer. Écoute, tu ne peux pas me menacer. Oh, chérie, ne me laisse pas t'attraper. Sinon, tu vas le regretter. Oui, tu vas disparaître. Tu vas voir ce que je te ferai. Écoute, tu ne me fais pas peur. À qui même? Ah, quel imbécile. Mais il est avec moi. Pense à ça pour une seconde. Et éloigne-toi de mon mari. Parce qu'on ne veut pas de toi. Sinon, je vais bien te détruire. Qu'elle allait me tuer. Calme-toi, Debs. C'est pas possible. Mais c'est pas l'impression que j'ai eue sur le téléphone. Elle sait des choses sur moi. Elle sait où j'habite. Bébé, elle ne peut faire rien. Calme-toi. Laisse tomber. Elle a dit aussi que je paie mon temps avec toi. Que tu ne la quitteras jamais. C'est pas vrai. Akin, est-ce que tu m'aimes? Qu'est-ce que je représente pour toi? Chérie, donne-moi un peu de temps. Tout le monde va savoir que moi et ma belle, on ne peut pas être ensemble. Et nous serons ensemble. D'accord? Je t'aime. Mon père veut me donner un rôle important dans la compagnie. Il pense que l'heure est arrivée, quand la compagnie sera à moi. Donc, je commence le lundi. Pourquoi l'air surpris? On peut parler de ça ou pas? C'est le pourquoi on est mariés, pour discuter des choses comme ça, avant de la faire. Comme on a parlé de ton plan de m'infecter avec des maladies. Est-ce que ta copine t'a dit que je lui ai parlé? Dis-lui que je ferai tout ce que j'ai dit. Mon cousin Félix, il arrive à lundi. Quoi? C'est pour le travail. J'ai lui besoin pour un projet très important. Il prendra quelques jours. D'accord. Pas de problème. Oui, papa. Ça s'était très bien passé. Je te promets. Ça s'était bien passé. Il n'y avait aucun problème. Quoi?
Le gérant était gentil. Si quelque chose se passe, je vais te dire. Kiss. Oui? Bon, d'accord. Oui. Au revoir. Oui. Allô? Oui, notre femme. Salut, bonsoir. Salut. Je me porte bien, merci. Et toi? Bienvenue. Merci. Oui, tu es magnifique. Merci. Et comment était le trajet? Oui, c'était fantastique. Bienvenue. Merci de m'avoir. Oh, je suis désolée. Si je savais que tu venais, j'aurais bien préparé pour ton arrivée. C'est pas un problème. Actuellement, tu sais, je préférais de rester dans l'hôtel, mais à qui pense que ça ira propre si je reste ici? C'est mieux comme ça. Tu as besoin de quelque chose? Tu as faim? Je sais que le trajet était long. Vraiment, j'ai rien mangé avant de venir. Ah, donc, je te ferai à manger. Oui. Viens, je te montre ta chambre. Bien sûr. C'est pas ici. Oui. Quel plaisir de te voir. Beaucoup. Le repas était très délicieux, tu sais. Tu es le bienvenu. C'est le moins que je puisse faire. Tu as une résistance. tiens, tu veux regarder du football? Du foot? Non, mais moi, je ne suis pas un supporter du foot. Attends, quoi? Bien sûr, mais j'aime pas la crier, la toxicité. Mais il ne faut pas lui dire que je t'ai dit ça. Bon, d'accord. Tu veux regarder mon film avec moi? Ah, c'est intéressant. C'est un... Oui. Film d'action. Tu les aimes? Oui. Waouh, c'est bon. Oui, tu dois juste... Hey, mon seul cousin. Yo, tu m'as même pas dit tu es là. Surprise, surprise, surprise. Bienvenue. Merci. Je vous laisse parler. Ah. Je savais pas que ta femme est très belle. Tout ce que j'écoutais, qu'elle a une mauvaise habitude. Elle fait tout ça pour une bonne raison. Félix, t'es fou ou quoi? Ou t'as pas pris ton médicament ce soir? Parce que tu sens comme un fou. Je suis correct ou pas? Je veux te laisser, parce que j'ai regardé le foot. On veut parler de travail après. Frère, tu sais que je regarde pas au foot. Je serai dedans, à bientôt. À bientôt. Bienvenue, frère. Ouais, merci. Bien fait ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, on est en train de préparer le petit déjeuner. Je vois ça. Mais... Vous faites quoi? Tu veux qu'on résume à 8 heures bien? Oui. Alors, je l'aide avec le petit déjeuner. Tiens. Merci. De rien. Oh. Oh, tu as besoin de quelque chose encore? Non, je suis gentil. Tu écoutes ça? Je suis très doux.
Merci. Oui. On y va alors. On y va. C'était très délicieux, mais on doit s'en aller. Oui, bien sûr. On y va. Au revoir, Félix. Oui, au revoir. Pour changer la station, il y a de la match. Donne-moi les commandes. On regarde un film. Tu dois regarder ça, frère. C'est très intéressant. Et je parle d'un match direct. Vous pouvez regarder la film une autre fois. Tu as vu ça? Oui. Assois-toi, frère. Allez, ma belle. C'est 2-1, frère. C'est quel film ça? Oh, c'est de l'horreur. C'est vraiment terrifiant. Oui, bien sûr. Félix. Merci beaucoup pour venir. Oui. Tu dois me remercier à me payer vite. Félix, oui, j'ai entendu que tu parles aujourd'hui. Oui. Oh, merci d'être venu. Oui, de rien. Donc, tu peux venir n'importe quand que tu veux. Oui, sûr. Tu promets? Oui, j'ai passé un bon moment. Très bien. Tu vas au travail? Oui, j'ai une réunion à assister ce matin. Oh oui, bien. Bon voyage, d'accord? Merci. Au revoir, chérie. Au revoir, chérie. Tu vois, quand tu parlais d'elle, tu me fais penser qu'elle est une sorcière qui voulait manger ta tête et boire ton sang. Félix, c'est parce que tu ne la connais pas plus que moi. Elle est différente quand tu es là. Tu penses? Ou c'est parce que tu es un tricheur? Est-ce qu'elle? Non. Mais dans quelques jours que je suis ici, je l'ai vue, c'est clair. Car elle sait déjà. Tu fais quoi, frère? Tu joues avec le feu. Tu penses que Mabel va me blesser? Non, elle ne peut pas. L'autre femme. Oh, elle sait qu'elle ne peut plus t'avoir. Elle ne veut plus te marier. Elle va te distraire. Tu dois arrêter tout ce que tu fais. Tu ne vas pas valuer ce que tu as maintenant. Mais si tu le perds, ça va te faire mal. Très, très mal. Très mal, je te jure. Est-ce que tu veux m'accompagner? Oui, oui. Thank you.
Maybelle Adesoji. La même Maybelle. Christopher! Quand est-ce que tu es... Qu'est-ce que tu fais dans le pays? Je suis là pour prendre charge de l'affaire de mon père. Tu sais qu'il est mort, hein? Oh, je suis très désolée. Comment tu vas? Je suis là. Qu'est-ce qui se passe avec ta voiture? Je ne sais même pas. Et c'est vraiment frustrant. Ça ne veut pas démarrer. Tu sais quoi? Viens avec moi. Parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Oh, bien sûr. Donne-moi une seconde. D'accord, bien. Salut. Tu viens d'où? Je ne comprends pas. Et depuis quand on se pose ce type de questions? Où est ta voiture? Et c'est qui les gars qui t'ont déposé? Je vois où tu veux en venir. Est-ce que tu crois que tu es le seul avec des ex? Est-ce que c'est ça le vrai problème? Ou bien tu es fâchée parce qu'elle a l'attention d'un autre homme? Trompée, c'est pas normal. Elle est mariée. Tu restes toujours à sa côté. Maintenant, c'est sa tour. Elle n'est pas à faute. Écoute, si tu avais donné l'attention à ta femme, elle n'aurait pas cherché ça dehors. Écoute, elle a même bien fait de ne pas le faire entrer. Trompée, je crois pas que tu parles comme ça. Écoute. Va chercher comment donner l'attention à ta femme et cesse de te plaindre. Tu vas où là? C'est samedi, tu devras passer la journée avec ton mari. Je vais aller faire mes ongles. Pédicure, habillée comme ça. Et après, je vais au cinéma. Avec qui? Un ami. Ne m'attends pas! Un ami?
Tu viens d'où? Mais belle, tu dois arrêter cette habitude. Une habitude? Je suis sortie 2 ou 3 fois et maintenant c'est une habitude? Tu n'es jamais à la maison à cette heure. Pourquoi tu es à la maison? Est-ce que quelque chose a changé? Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Ma belle, je peux rester chez moi quand je suis en vie. Mais tu ne peux pas rester à chez moi et tu sors et oh, revenir s'il te plaît, quand tu veux. Arrête avec cette maison, ma maison. Quelle maison? Si tu veux que je quitte, il faut me dire. Et je parte immédiatement. Mon père a même une maison plus grande que celle-ci. Je n'ai pas le temps pour ceci. J'ai eu une longue journée. Bonne nuit. Je me suis très bien amusée. Moi aussi. C'est des jours. Était incroyable. À moi aussi. Chris, non. Qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est ma maison, mon mari. Mais regarde, mon mari pourrait être là. Je suis très désolée. Pardon. Écoute, tu es quelqu'un de bien, mais ça ne peut pas marcher. Je suis mariée. Mon mari me donne des problèmes, mais c'est mon mari. Je ne veux pas le tromper. Je respecte ça. Vraiment. D'accord. Je me suis bien amusée. Moi aussi. À bientôt. Alors, à bientôt. À tout à l'heure. J'arrive. Un moment. Ah, Tata. Tu es vraiment venue. Je t'avais dit au téléphone. Ça va? Oh, ça va bien, merci. Oui, on a besoin d'une réunion de famille. Comment va Akinola? Il va bien. Bienvenue. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux plus supporter les appels et les messages que je reçois de deux de vous. Oh, elle t'appelle aussi? Oui, je l'ai appelée en premier pour lui donner des conseils. Mais maintenant, c'est soit tu m'appelles, soit elle m'appelle. Et ça me dérange beaucoup. Oh, Tante B, arrête tout ça. Je ne blague pas. Oh. Je peux même te montrer mon rapport des médecins. Le mariage pourrait être difficile. Ça pourrait être facile. Soit vous vous bâtissez et vous vous entraidez, soit vous vous détruisez et tout va s'effondrer. C'est ça de l'amour. Tata, deux personnes ne peuvent pas rester ensemble sans s'accorder. Non, ils ne peuvent pas. Mais Aki a refusé de s'accorder avec moi. Oh, arrête ce jeu de victime que tu as commencé. Oh non, je n'essaie pas d'être une victime. Toi, tu me trompes. Tata, est-ce que tu sais que sa copine envoie des cadeaux ici? Et elle l'appelle sans cesse. Dès qu'elle l'amène, les gars dans la maison. Dis ça encore à qui? Dis ça. Que la terre sache que toi, tu m'accuses de quelque chose que toi, tu fais. Regarde-moi dans les yeux et dis ça encore. Mais belle, calme-toi. Et tu sais qui fait ça ouvertement? Il ne le cache pas. Comme si je suis rien.
comme si ma dignité est rien. Je suis désolée pour ça. Aki, Aki on l'a. Tu veux dire que tout ce qu'on a discuté, tu es revenu et tu n'as rien fait. Rien n'a changé. Comme tu me déçois, Aki on l'a. Qu'est-ce que c'est? Hein? Écoute, tu ne peux pas gagner en la brisant le corps. Et elle ne peut pas gagner en te détruisant. Quand vous gagnez ensemble. Et quand vous perdez ensemble. Écoutez, cette situation maintenant, ici, c'est Debbie qui gagne et vos orgueils. Ils ont réussi à vous séparer. Et vous ne le voyez pas. Hein? Tante Bille, elle est partie. Oh, ah bon? Et je voulais nous préparer à manger. Mais elle n'est pas conduite dans la nuit. Qu'est-ce que tu as préparé? Du pasta. Tu peux me donner un peu? Ce n'est pas de l'ayant pilé et goussé. Je sais. Je m'en fous. Peur. Ah. Je voudrais rester ici quand tu t'élèves. Qu'est-ce qu'ils sont? Oh, je suis en train de préparer. Tu prépares le petit déj ou bien tu veux brûler la je maison? Je prépare pour toi. Hein? Ouais. Pourquoi? Parce que tu es ma femme. Je veux faire une bonne chose pour toi. C'est ta manière de t'excuser pour m'avoir trompé, juste pas besoin. Même le mot se tromper ne suffit pas pour décrire ce que tu faisais. Elle est pratiquement ta deuxième épouse. Et s'il te plaît, la prochaine chose que tu vas dire, d'abord pense. Parce que la prochaine chose que tu vas dire va soit briser ou aider ce qui reste de cette relation. Ma belle, je suis désolé. Désolé. Il est désolé. C'était quoi avec ce débit? De quoi s'agit-il? Elle était une erreur et je suis désolé. Faux. Elle était un choix que tu faisais encore et encore et encore. Je suis très désolé, ma belle. Je sais que je fais une erreur. Je fais une grande erreur. Mais je suis désolé. Je suis très désolé. Je vais tout faire. Je vais tout faire, mes belles. Salut, bienvenue. Merci. Je pense qu'on va faire quelque chose de différent aujourd'hui. T'es fatigué?
Non, pas du tout. Je veux dire, comme je suis patron au bureau, tout le monde travaille pour moi. C'était très bien. J'ai préparé pour toi. Bon, mais j'ai déjà mangé. Tu vas l'aimer. C'est ton meilleur nourriture. C'est quoi ça? Je comprends pas. Comme je viens de dire, mes belles, les choses seront différentes maintenant. Je suis plus comme avant. Ça, c'est pour toi. Le dîner est prêt. Ah, oh. Alors, oh wow. C'est bon ou pas? Ça c'est. Est-ce que tu as goûté ça? Que tu as préparé? Non, je l'ai juste préparé. Pensez que ça sera délicieux. C'est Tante B qui m'a donné l'instruction. Ouais. Tu dois le goûter. Attends. Je vais te le donner. Oh. Vraiment? Viens. Attends. Viens, ça, non. Cool. T'inquiète pas, c'est bon. Viens, mange. Tu as fait ça, non? Mange. C'était comment? Délicieux! Ah! Ça, c'est très mal. C'est très chaud. Est-ce que tu as goûté ce repas? Non, mais... La première règle de faire la cuisine, goûte toujours ton repas. Toujours! Ouh! J'ai pensé de quoi? On peut juste... Écoute... Ça ne fonctionne évidemment pas. Un pourboire? Bien sûr. Allez. Quoi? Ah, mon Dieu. Ça, c'est pas... Tu dois bouger un peu. D'accord. Alors. Est-ce que tu as besoin d'aide? Oup, Aki. Toi. Ne blague pas. Ne bloque pas comme ça. Je ne peux pas te blesser, mon bébé. Tiens. Ok, tu me fais rire. C'est bon. Non, je veux te saouler ce soir. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire à toi! Chérie, tu te souviens? Bien sûr que je me suis rappelée. Devine quoi? J'ai fait une réservation pour nous ce soir. Mais tout ce que j'ai besoin de toi, c'est de rester près de ton portable parce que je vais t'envoyer l'adresse. D'accord? 7h du soir. Oui. C'est bon? D'accord. Lève-toi, tu vas être en retard. Thank you.
Salut, mon amour. C'est quoi ça? Ton cadeau. Comment j'ai rentré ça encore? Parce que tu m'aimes. Arrête. Excusez-moi. Est-ce que je peux utiliser ton toilette? Oui, bien sûr. Debbie, on est fini. Cette relation, c'est fini. Et c'est tout? Tu vas pas trinquer avec moi au vin? Bon, allons, c'est notre tradition pour des années. Après tout ce qu'on a partagé ensemble, qu'on fasse une dernière. S'il te plaît. Bon. Merci. J'ai mal à la tête. Tu t'es endormi? Comment? Tu m'es drogué? Chérie, ça c'est ridicule. À qui il reste? C'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais? Reste! C'est pas possible. Attends! Tu vas où? C'est tu minuit. Tu es un sorcier. Un grand sorcier. Pourquoi tu m'as fait ça? Fais quoi? Laisse-moi en paix. Je veux plus te voir. Je te jure. Vraiment, je te jure. À qui? Pourquoi tu es si fâché? Qu'est-ce que j'ai fait même? Du reste, je sais que tu vas revenir. Je t'attends. Bébé, je suis désolé, je veux m'expliquer, but I feel like there's no explanation that is going to make up for the disappointment. Je ne suis pas déçu, je suis humilié. Bébé, on peut faire ça encore,
Vraiment? Oui. Je te donne toujours des chances. Mais tu ne cesses pas de me décevoir. Ok, je peux plus. Bébé. Je suis très désolé. Elle m'a drogué. Oh, s'il te plaît. Dis autre chose. C'est vrai, elle m'a drogué. Okay, je ne cesse pas d'essayer. Tu sais? Mais tu ne veux pas être responsable. Bébé, c'est vrai. J'étais là pour briser ma relation avec elle. Ah! Et tu ne pouvais pas faire ça sur le téléphone? C'est ce que les gens normaux font. Je suis désolé. Je sais que ne dois pas aller là-bas. J'étais tellement stupide. Je sais maintenant, mais je t'ai dit, on n'a rien à faire. C'est fini entre moi et Debbie. On n'est plus ensemble. Je te jure. Je lui ai dit que je suis marié. Je veux concentrer sur nous. D'accord? Bébé, je suis très désolé. S'il te plaît, donne-moi cette dernière chance. S'il te plaît. Ma belle, je t'aime. FaceTime, I could see your room in with a clear mind. You was all mine, before you said hi. I was all up in your space during check time. And the midnight, when the lights are, I'll be headed to your bed. Ah, papa, désolé de te faire attendre. Mais des jumeaux. Ah, non. Non, c'est un. Deux, s'il te plaît, arrête. Du reste, j'espère que tu as un très gros appétit. Très bon appétit. C'est ça que je dis. Attends, je reviens. Fais doucement. Chérie, tu es sûre que tu n'as pas besoin d'aide? Non, bébé, calme-toi. Je veux faire. Je peux vraiment... Non, bébé, calme-toi. Je veux faire tout. Va. Chérie, je peux... Va, bébé, va rester avec tante B. D'accord. Allez. I was all up in your space during check time. And the midnight, when the lights are, I'll be headed to your bed with a huge smile. Then I realize, I believe in lies. Time to brace up, no thinking twice.